et bienvenue à ce nouvelle édition de Réaction FR. Réaction FR, c'est quoi? C'est le seul et unique show sur YouTube où est-ce qu'on fait des réactions, on analyse et on critique des vidéos de musique. Et puis tout ça en français. J'ai essayé de trouver d'autres YouTubers qui font des réactions en français. Et puis, j'en ai pas trouvé. J'ai vu quelques YouTubers qui font plus dans le hip-hop ou dans le K-pop, mais pas vraiment dans le rock ou dans le métal ou de faire la même. Moi, je veux faire plus dans le métal, puis plus dans les bands underground, électronique underground, aussi un peu de K-pop parce que je suis un fan de K-pop, puis aussi un peu de J-pop parce que je suis un fan de J-pop aussi. Et puis, aujourd'hui, on va jeter un œil à un groupe russe qui se nomme IMPERIAL AGE. La chanson se nomme « The Monastery ». Et puis, le groupe se décrit comme un groupe de « New Wave of Symphonic Heavy Metal ». Donc, c'est du metal symphonique avec des chœurs, avec toute une grosse gimmick, avec des costumes, tout le kit. Et puis, habituellement, IMPERIAL AGE ne nous déçoit pas, mais en même temps, on doit le dire, c'est ultra quétaine, c'est over the top, c'est comme ultra exagéré, mais en même temps, ça fait un peu partie de l'identité d'Imperial Age. C'est même lui, seulement le nom, le Imperial Age. Fait que, on va jeter un œil là-dessus, puis c'est tiré du DVD Live on Earth, the Online Lockdown Concert. Donc, c'est un concert qui a été donné en ligne et puis sans public. Et qui ont fait un spécial justement pour le lockdown à cause du coronavirus. Donc on y va. IMPERIAL AGE, The Monastery. Si vous le voyez là, c'est super cheap, là, mais en même temps, c'est ce qui fait le trip de IMPERIAL AGE. Imperial Age, c'est le manoir du symphonic metal. Non, mais c'est vraiment excellent. Le gars, le chanteur, il ressemble à un elfe, mais la musique, c'est tellement bon. Ça me fait penser à la bonne époque là, de Therion, à l'époque là, de Volvain, ou à l'époque de Kelly, là, les premiers balbutiements du métal symphonique. Là. Et puis, IMPERIAL AGE est excellent. Ça met quasiment les larmes aux yeux tellement que c'est bon, mais en même temps, parce que c'est émotif, et c'est genre de voix, puis genre de musique qui vient chercher des émotions. Mais en même temps, la façon qu'ils sont habillés, c'est comme un peu bizarre, mais c'est excellent. C'est vraiment, vraiment bon. C'est bon.
non, mais pouvez-vous imaginer un groupe comme Imperial Age avec du budget? Sur une grosse scène, avec des décors, puis toute une mise en scène de fou, ça serait tellement bon. C'est excellent, c'est tellement bon, mais en même temps, c'est tellement quétaine, mais j'aime ça. J'étais un fan fini à l'époque de Therion. J'aime Within Temptation. J'aime les Dimmu Borgir, ce qui est symphonique, ce qui est mélodieux. Et puis Imperial Age, ben c'est comme un peu la cerise sur le sundae du métal symphonique, mais en même temps, c'est tellement. T'sais, comment je pourrais dire, c'est comme je disais un peu tantôt, vous pouvez imaginer ce genre de groupe-là, avec du gros budget, là, t'sais, qui serait capable de mettre un stage de fou avec des éclairages, puis etc. Ça serait tellement bon, là. Et non, c'est excellent. Imperial Age de Monastery. J'espère que vous avez aimé cette réaction. Et si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner. Aussi, vous pouvez cliquer la petite cloche, ça c'est pour recevoir des notifications. Et si vous voulez que je fasse des demandes spéciales, vous pouvez joindre ma page Patreon et ça me fera un plaisir de répondre à vos demandes spéciales. Donc, on se dit à la prochaine. C'était Réaction FR.